Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo 100% Premier League, Liverpool, Everton, City, Brighton, Chelsea, Arsenal. Tu l'auras compris, cette 9e journée de Premier League sera complètement folle et voici mes 10 avis. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube, à lâcher ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout le plus important, l'équipe à rejoindre mon canal public, car sur YouTube ce ne sont que des avis. Je vais t'offrir mes 10 avis sur cette 9e journée et c'est sur Telegram que j'enverrai à toutes les personnes qui vont nous rejoindre cette fois-ci sur cette semaine un conseil, un safe, un fun, un score exact et des buteurs également sur cette journée de Premier League. Donc n'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite avec Liverpool qui reçoit Everton, des Reds qui tournent extrêmement bien à domicile cette année. 5 matchs, 5 victoires en compétition officielle qui offensivement sont plutôt plaisants également. Il y a eu 11 rencontres jouées par Liverpool. Dans 9 matchs, ils ont marqué au moins 2 buts, donc forcément ils font office de grandissime favori dans ce derby, surtout qu'Everton montre comme l'an passé des signes très inquiétants. Il y a eu seulement 2 victoires en 8 matchs pour les Toffees, avec 2 victoires contre des adversaires de bas de classement comme Bournemouth ou alors Brentford. Donc sur ce coup, Liverpool devrait s'imposer. La cote est à 1,33, on va aller chercher un peu plus haut. Je vous l'ai dit, Liverpool marque pas mal. Donc Liverpool et plus d'1,5 but, c'est coté 1,48. Bournemouth contre Wolverhampton, à nouveau défait 3-0 du côté d'Everton. Il serait temps pour Bournemouth de lancer enfin sa saison, car comme Sheffield, Bournemouth n'a toujours pas remporté le moindre match, surtout que l'adversaire du jour, c'est les loups de Wolverhampton qui viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite, avec des matchs plutôt références, victoire contre City, nul contre Aston Villa. Alors certes, ces rencontres étaient à domicile, mais au vu de l'état de forme de Bournemouth, je me dis que Wolverhampton peut enchaîner un 4e rencontre sans défaite, surtout qu'historiquement, la donne est simple. Il y a eu 3 confrontations. Jamais Bournemouth s'est imposé à domicile contre Wolverhampton. Donc, on va partir sur une value bet sur ce coup. Wolverhampton ou nul à 1,50. Brentford contre Burnley. 2 équipes de bas de classement. Et c'est assez dommage de voir Burnley si bas, qui avait été extrêmement impressionnant l'an passé en 2e division. Forcément, pour les hommes de compagnie, c'est un peu plus compliqué d'arriver en Premier League. Une victoire, un nul pour déjà 6 défaites. Mais ça reste une équipe plutôt joueuse qui a certes déjà encaissé 20 buts, mais qui offensivement montre des choses plutôt intéressantes. Et Brentford, c'est le même style. Ce n'est pas une équipe forcément transcendante au niveau des résultats. Seulement 7 points en 8 matchs. Mais ça reste là aussi une équipe plutôt joueuse dans une rencontre où la victoire est primordiale pour Burnley. Je vois un match plutôt ouvert et je vais partir sur les 2 équipes marques à 1,75. Manchester City contre Brighton. Et si le roi d'Angleterre perdait sa couronne cette année, on peut y croire tranquillement. Les Citizens qui restent sur 2 défaites de suite à Wolverhampton, mais également à Arsenal, une équipe qui tourne un peu moins bien actuellement depuis l'absence de Kevin De Bruyne et qui affronte un adversaire tout aussi redoutable. Alors certes, Brighton n'est pas aussi bon actuellement, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres officielles, mais ça reste une équipe extrêmement joueuse qui a déjà marqué à 21 reprises. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de Premier League, mais qui défensivement montre des signes extrêmement inquiétants. Et comme toutes les semaines, ça me réussit depuis le début de saison, je vais partir sur le match de Brighton sur les 2 équipes marques à 1,47. Newcastle contre Crystal Palace après 3 défaites en 4 rencontres pour commencer sa saison. Ça y est, les Magpies sont lancés. 10 points pris sur les 4 dernières rencontres. Une victoire contre City, une humiliation en Ligue des Champions en disposant facilement du PSG sur le score de 4 buts à 1. Et voici les Magpies qui sont de retour en course pour une qualification en Ligue des Champions. Alors Crystal Palace est juste derrière, un seul point d'avance pour Newcastle. Mais au vu de ce que nous montre Crystal Palace depuis le début de saison, c'est pas forcément extraordinaire. C'est une équipe qui a du mal à enchaîner, au contraire de Newcastle qui est en grande forme actuellement. La victoire de Newcastle à 1,44 me suffit amplement. Nottingham contre Luton, vainqueur contre Everton. Il a maintenant quasiment 3 semaines. Luton n'a pas su enchaîner. Défaite à domicile contre Burnley, défaite à domicile contre Tottenham. Et voici le petit poussé aux portes de la relégation, 17e avec seulement
à 4 points. Alors forcément, Nottingham, c'est pas forcément l'équipe la plus régulière également depuis le début de saison. C'est une équipe qui produit un jeu assez faible, on tourne sur une moyenne de quasiment 1,8 buts par match dans les rencontres de Nottingham. Je pense qu'on aura un match plutôt fermé, avantage aux locaux, mais le match nul est une possibilité, donc nul remboursé si Nottingham, de mon côté, c'est coté 1,47. Chelsea contre Arsenal, le troisième choc de cette journée, comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, une équipe de Chelsea qui a peut-être enfin lancé sa saison en disposant de Fulham et de Burnley, mais attention, ça reste deux clubs qui devraient logiquement jouer pour le maintien. L'adversaire du jour est totalement différent, c'est les Gunners qui sont en grande forme actuellement, invaincus cette année, qui viennent de disposer de City sur le score de 1-0, donc mentalement Arsenal est armé pour ce déplacement, surtout que dans ce derby de Londres, eh ben les Gunners réussissent plutôt bien du côté de Chelsea avec 3 victoires pour seulement un match nul sur les 4 derniers déplacements. On sécurise quand même, parce que ça reste Chelsea qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Mais je fais des Gunners les favoris sur ce coup. Victoire d'Arsenal, remboursé 6 nuls à 1,64. Sheffield United contre Manchester United. Forcément, au début de saison, quand on voit ce match, on se dit que les 3 points sont actés pour Manchester. Surtout que Sheffield est dans une situation catastrophique. Un seul point pris en 8 matchs, il y a eu cette claque 8-0 contre Newcastle. C'est d'ailleurs les retrouvailles pour Sheffield avec son public suite à cette humiliation. 22 buts encaissés, vous me direz, pour Manchester qui a des ambitions européennes. Eh bien, la rencontre semble être plutôt facile, mais attention, parce que les Red Devils sont dans le dur actuellement. Déjà 4 défaites cette année, 8 points de retard sur Tottenham et Arsenal. Donc, sur ce coup, je ne me prêterai pas à la victoire de Manchester qui est cotée assez basse à mon sens. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,52. Aston Villa contre West Ham, deux outsiders clairement pour une qualification en Ligue des Champions dans une saison où Manchester et Chelsea tournent un peu au ralenti. Il y aura forcément une surprise en fin de saison et pourquoi pas voir un des deux clubs rejoindre la Ligue des Champions. Surtout qu'Aston Villa carbure à domicile, la donne est simple, 10 victoires de suite. En comptant les matchs de l'an passé, il reste sur une belle victoire, 6 buts 1 contre Brighton. L'arrivée d'Unai Emery fait clairement du bien à Aston Villa. Mais l'adversaire du jour, là aussi, c'est West Ham, une équipe plutôt en forme qui montre des choses plutôt séduisantes depuis le début de saison, qui avait embêté Liverpool et également City. Alors certes, 2 défaites, mais à chaque fois, West Ham avait marqué et je vois le même genre de match. Une équipe de Villa qui devrait logiquement s'imposer, mais West Ham est capable de venir marquer. Donc on va prendre sur ce bet les deux marques 1,49. Enfin, la dernière rencontre, c'est Tottenham qui reçoit Fulham, un nouveau derby de Londres. Et mine de rien, les Spurs sont plutôt dans le coup actuellement. 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite. C'est vrai que depuis l'arrivée de Postecoglou, l'Australien, bah, tout tourne bien du côté de Tottenham qui a peut-être enfin trouvé un entraîneur un peu moins reluisant. Il y a eu des Conte, il y a eu des Pochettino, il y a eu des Mourinho. Ça y est, un entraîneur avec un nom un peu plus petit entre guillemets mais qui fait un taf extrêmement cohérent, alors que Fulham a du mal clairement contre les Cadors en ce début de saison. Il y a eu 3 rencontres contre Chelsea, City, Arsenal. La donne est simple, il y a eu seulement un point pris et quand même 9 buts encaissés. Donc sur ce coup, je pense que Tottenham à domicile pourrait enchaîner à nouveau et je le vois s'imposer, c'est coté 1,47. Donc voici l'équipe, mes 10 pronostics concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On parlera Ligue 1, mais également top match européen. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao.